Et voilà. Dites-moi si c'est mieux sur le Twitch, s'il vous plaît. J'ignorais complètement, je ne sais pas, je ne peux pas savoir si le son est bon ou pas. Mais n'hésitez pas à me dire pour le son, encore une fois, la qualité d'image également au passage, enfin, ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Merci de me l'avoir dit parce que bah, je ne l'aurais pas réalisé en même temps. Je ne peux pas le réaliser, je ne le sais pas. Mais merci de me l'avoir dit. Donc je les ai fait taire un petit peu sur le TS. Est-ce que ça va mieux? C'est avec toi, sauf qu'on avait braqué un mec qui avait un tempeste rempli de diamants. Ouais, exact, ouais. Et il est parti. Le pauvre Bunga. Là, il a pas coopéré, hein. Tu peux le tuer hein, si jamais. Ah, il a un beau diamant, ouais. Bon, et moi, je vais arriver à la douane dans quelques secondes et on va voir si les flics m'arrêtent. Ce serait marrant histoire de vous faire profiter de ça, c'est non, assez rigolo. On n'a pas le droit, t'as pas le droit de prendre plus de 5. Enfin. Quand le mec coopère, tu prends que 50% ah ouais. Alors. Quand t'es 6. Coopère ouais, bah il a coopéré le mec, il est pas bête, hein, 6v5. S'il coopère pas. Ah bah toutes les barrières sont ouvertes, ok, intéressant. Il faut faire commencer une fusillade, donc le mec qui le fait direct. Tiens, il a 5000 de diamants. Il est encore plus baissé. Je fais combien? 125 000? J'avais 45 000. Ah ouais! C'est de grosses forces de flics là qui est en fait. Oh non, j'étais craché. J'étais pris les câbles électriques. C'est un génie. T'es vraiment trop un génie. Je te répare ton. T'inquiète, je te répare ton véhicule. Bon, bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, mais pas, je te parle pas à toi, je parle au mec. Les mains en l'air, s'il vous plaît. T'es un champion. Je vois que toutes ces rôles sont pratiquement à travers. Sur un véhicule qui vient. Bonjour, monsieur. Non, mais tu veux pas. Non, monsieur, les mains sur la tête, s'il vous plaît. Je peux seulement faire retourner. Je vais vous menotter pour. Est-ce que je dois bouger mon véhicule? Ah, visiblement non, très bien. C'est la douane. Ouais, je suis à la douane, ils m'ont arrêté là. Dans 5 minutes, vite, dépêche-toi. Monsieur, il y a un restart dans 5 minutes, ce serait bien que j'aille. Que vous fassiez vite, s'il vous plaît. Je dis là, t'as une cargaison, ça va bientôt reboot, que tu vas la perdre alors. Oui, je lui dis. Ça parle beaucoup dans la radio, j'ai rien entendu de ce que vous avez dit, excusez-moi, monsieur. Y'a pas de problème, monsieur, faudrait juste se dépêcher parce que le restart est dans 5 minutes, s'il vous plaît. Et je suis assez pressé, monsieur l'agent. Voilà vos papiers s'il vous plaît. Bien sûr, la poche droite. Rectification 21h reboot. Bon, 20 minutes ça va. Le mec il est en décalage horaire. Tout est à jour, monsieur. Je vais faire une recherche par Interpol au cas où. Puis ensuite on vous laissera repartir, monsieur. Je vous remercie. Je vous en prie, faites. Bonjour, monsieur. Je vais vous ouvrir. Vous garez sur le côté s'il vous plaît. Du coup, à 22h, il y a Johnny Show qui se connecte. Je vais vous démenoter, vous les faire peut-être partir. Peut-être Nitrix, monsieur. Je sais pas, il y aura Bobo. Je vous remercie, monsieur. Bonjour, monsieur. T'as spawn au jus. Je passe la bonne journée. Moi j'attends Asio. Asio, je te prends mon véhicule, on va en France à Pierre-Boss, j'achète un Tempest avant le reboot et un Ifrit. Yes, ça marche. Je crois que putain, il y a ma connexion directe qui est bloquée là sur Active tout le temps, c'est chiant. De quoi? C'est-à-dire? Je sais pas, elle est constamment active, la communication directe. Ah ouais, d'accord. C'est comme quand tu fais double A, tu fais mode d'allure en mode. C'est bon? Ouais, merci. Acheteur de diamants! Oh, allez, là, s'il te plaît, merci. 4, ok.
Extracteur de diamant 10. Ok, vendre. Fermé. Et nous sommes à 207 000. Ok. Et c'est quoi le truc qui a mis 400 places? Ok. Parfait. Les conteneurs qu'ils ont dans les maisons. Ah ouais, mais ça sert à rien, tu peux pas les déplacer. Nigwell. Je t'ai fini une partie de ce qu'on a gagné à ce. J'ai 45 000 sur moi, j'ai 125 000, donc 80 000, je te file 40 000. Mais attends, tu. On fait un 50-50 alors? Non, non, moi je m'en bats les steaks. Bon. Regarde, moi j'ai 2 millions maintenant, mais je garde juste 40 000 parce que c'est ceux que je t'ai filé. Ouais, bien sûr, bien sûr. Eh ben merci, mec. Vas-y, on est parti? Ouais, je laisse le truc ici, cache moi. Cache-le. Sur sa reboot dans 20 minutes, tu le mets genre un petit peu plus loin. Ça marche. Attends, t'inquiète. Planquer ça quelque part par là-bas derrière. Ne cache pas qu'un peu, hein. Ah, je fais les choses bien, moi. Ok. Va falloir que je baisse le son également, je pense, du jeu, parce que là, avec l'hélico. Allez, on va faire ça. Oh. Autrement, je vais faire ça. Voilà, au moins là le son est un peu mieux, donc du coup vu qu'il m'a passé un peu plus de fric, on va changer ça ici comme ceci. Nous y voilà. Et ouais, bah c'est parfait. Enfin, 247 000 balles, c'est pas énorme. Salut Gotazis. Est-ce que je me suis planté dans ton pseudo ou pas? Bon, ouais, 247 000, c'est pas énorme. Très concrètement, c'est même pas génial du tout. Mais ça fait toujours un peu de fric en plus, hein, on est d'accord. C'est. Voilà. C'est un début. Maintenant, allons faire un peu d'illégal. Mais remarquez, avec le nombre de flics qu'il y a au poste de douane et vu comment ils sont armés, les bonhommes, j'ai envie de vous dire, ça va être un peu tendu de se faire un peu de fric. Puisque, si on veut se faire du cannabis, par exemple, ou n'importe quelle autre drogue, je ne sais quoi, le champ étant là. La zone de traitement, elle est là, le séchoir, et ensuite il faut remonter ici au dealer de drogue. Donc on a obligatoirement et on est quasiment obligé de passer par le poste de douane ou alors par l'espèce de trou qu'il y a dans le poste de douane qui se trouve quelque part là dans la montagne. Voilà, que les flics au niveau RP ne connaissent pas en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, tout est pas mal. Plutôt sympatoche. Du coup on fait quoi? On prend un Tempest, un Kamaz. J'ai pas trouvé mon site. Je peux te rejoindre sur Arma. Est-ce que tu parles du serveur sur lequel je me trouve? Gotha. Et Gotha c'est plus simple. Ça va plus vite. Le son c'est mieux. Ok, parfait. Alors ouais, là le son ça vient des coups, c'est un peu le bordel, je sais, j'en suis conscient. Une fois qu'il aura posé et qu'on l'aura viré celui-là, ça ira beaucoup mieux. Pas d'inquiétude. Alors, vu qu'on est dans une zone rebelle, on va faire ça en tant que tel, comme il faut, et on va se poser nous aussi en masqué, comme tout le monde. Et on va aller déposer notre argent sur le compte en banque, les amis. Exactement. Qu'est-ce qu'il veut lui? Problème? Il est tout fou lui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah bah voilà, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Du coup je peux check mon garage pour voir si j'ai mes objets. S'il te plaît. Putain, il est là le bonhomme. Moi j'étais en train de chercher sur lui là. Bref, ATM. Et on va banquer 247 532. Je l'ai encore mon Tempest, j'ai encore mon Nitrite. Yeah! Bon bah, on aura plus qu'à acheter un autre Tempest. Et on va sync aussi pour sauvegarder tout le bordel. Nice, parfait!
Alors, Gotha, est-ce que tu parles de maintenant, là, de maintenant tout de suite, genre, est-ce que tu veux me rejoindre ou pas? C'est ça la question? Du coup, ça respawn dans 20 minutes. Et oui, d'ailleurs, comme le gars sur TS vient de le dire, le serveur restart dans 20 minutes, hein, si jamais, donc 21h. Où est-ce que t'as acheté ta baraque, Emile? À Kavala. Ah ouais, carrément, toi. Ouais, mais après, j'en achèterai une autre avec un garage un peu plus perdu dans le cambo, ça sera plus tranquille. Si jamais, j'ai acheté la mienne à... À Neo... Putain, je sais plus comment elle s'appelle. Neo Shori. C'est où? DP10, c'est au... User joined your channel. User left your channel. Au sud de l'airfield? Ouais. DP10. Là, il y a un magasin de plongée à côté. User joined your channel. Les gars, c'est vous qui êtes le dealer de drogue DP11? Non. Non, c'est pas nous. Ok. User left your channel. Ok. Bon bah du coup, est-ce qu'on je suppose qu'on va attendre le restart, hein, très clairement, qui est à 21h. Voilà, et on va, de toute façon, vu que c'est un restart, on trouvera facilement un slot, très clairement. Donc il n'y aura vraiment pas de soucis par rapport à ça. On y va à 3 véhicules? Bah au moins on fait des putains de gros... Ah ouais là, clairement, là, ça va payer, c'est bien. Ça va carrément payer. De toute façon, quand on prend un véhicule ou plusieurs, on se fait, dans tous les cas, on se fait niquer pareil, alors. Ouais, fat. Alors du coup, c'était 375 000, je crois, le Tempest. Ça a descendu à 1 million. C'est nice. T'as déjà conduit des camions Jamais. Ok. Alors, tu prends le camion, Jules? Tu m'as vu conduire, tu sais à peu près comment ça réagit. Monte avec moi, Asso. En avant. Et dedans? Ouais. Faut jouer en concessionnaire camion. Ok. D'accord, elle est frite, Asso. Excuse-moi. T'as tiré dessus, c'est enculé. D'accord, elle est frite, Asso. Ok, ouais. Je sais pas si t'as tiré dessus, mais... Regarde, tu vois, il se cache là-bas. Bien, 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 parfait. Donc, deux camions, un ifrit pour un convoi cannabis, ça va payer. Moi, je vous le dis, le compteur, il va monter, les amis. Enfin, toutefois, on se fait pas braquer, si on se fait pas flinguer, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, bien entendu. Mais ça va le faire. Je sens bien que ça va le faire. Et puis y a pas le choix de toute façon, il faut que ça passe. T'as conduit un ifrit ou pas encore? Il me semble que oui. Non, je l'avais pas conduit, non. Bah, t'as vu les murets que tu passes là? Ouais. Ça casse les arbres, ça casse les murs, mais des fois ça te pète les roues. Donc faut juste faire gaffe aux cailloux en fait, c'est ça? Ouais, les cailloux, c'est le problème. Ça marche. Et les murs aussi. Le verrouille, je te laisse te mettre en place conducteur. Hein. Ouais. Bougez pas les gars, je vous passe les clés. C'est pas lequel? Ah c'est lui. Ifrit Tempest. Et l'autre Tempest, parfait, j'ai des clés pour tout. C'est super nice. Et là on a un gros tout terrain des familles, donc j'ai envie de vous dire. Vous passez devant avec les camions ou c'est moi qui ouvre la route? Enfin, vous connaissez peut-être mieux la route, allez-y peut-être devant, non? Et je me mets au milieu peut-être? Moi faut que je passe derrière, c'est sûr. Parce que c'est moi qui ai le plus de bugs avec mon PC. Après, Lilfrid, je pense que devant c'est le mieux. Vas-y, passe. Toi, Asso, vas-y, passe entre. Passe devant le camion si tu peux. Ou derrière. Moi je ferme. Ok. Je le suis? Une camion, ouais. Bon, c'est parti. Jamais votre véhicule il tourne tout seul, il faut couper le moteur et attendre 2-3 secondes. On s'attend les uns les autres, hein. 100 mètres de distance, 150 mètres. Bon, je vois que dalle. Détail. Pas besoin de voir quoi que ce soit.
Prends la reine à cirer, tout va bien. Et ça va être top la classe les amis, parce que là ça va être juste complètement énorme la thune qu'on va se faire. J'espère juste que personne va nous casser les bonbons. C'est le seul souci. Au pire des cas on engagera le combat hein. Je pense qu'ils sont super chauds. Si on se fait tirer dessus à mon avis voilà, on va balancer des bûches, rien à foutre quoi. Roule pas trop près des camions hein, l'assaut. Parce que des fois il y a des dessins qui ça bug et tout explose. Ok ouais. Oh il a claqué un de ses jumps. Ouais j'avoue. Ah ouais je comprends pourquoi il a claqué un big jump. Moi aussi ça fait pareil. Et un kilomètre. Bon ça va, on va vite hein. Il est déjà quoi. Mais c'est parfait. Et il faut aussi savoir qu'il y a un genre de leveling. Ça, c'est l'infrique qui passe devant. Mais j'ai pas mis de points sur la carte. Là. Non mais là on me dit en fait que je suis en cannabis. Ok. Parfait, tant mieux ça m'arrange. Merde, on a pas tiré dessous. Faudrait que t'aies acheté une licence aussi de traitement du cannabis. Je crois que je. Ah non j'ai pas le traitement. Non la dernière fois tu l'avais pas prise, t'étais avec les exact, journalistes. Ouais. Regarde, j'ai pas de fric sur moi par contre. Non, mais t'inquiète pas, là-bas à côté du truc, pendant qu'on commencera à traiter, tu iras acheter une licence. Il y a okay, un ATM ouais. Pas loin. Pour aller tirer. Il y a un mec dans le jardin. Où ça? Juste derrière la clôture, avec les frites. Ah bah non, c'est toi en fait. Non, c'est pas lui ça. Ah oui, non, c'est pas lui. Okay. On va le voir direct. Arrête-toi! Arrête-toi! Laisse-le partir, on s'en fout, on perd pas de temps. Du coup, Asso, tu prends un morceau de carton, tu coinces la touche Windows, et t'as rien à faire. T'inquiète, j'ai mieux que ça. Juste être retourné et faire tes. Ça reprend tout seul, même pas. On les ramasse deux par deux maintenant, les cannabis. J'ai une macro. Ah oui, c'est vrai que t'as tes macros. Ouais. J'avais oublié. Ça marche super bien. J'ai bien de croire. Ah, vous ramassez par deux déjà? Ouais. Oh putain. Nice. Bon, je vais me traîner un peu moins. Ne te inquiète, on aura rempli le camion rapidement. Hop, je suis déjà plein. Mais c'est parfait. Et je vais vous montrer le système de leveling où ça se trouve exactement dans les statistiques tout à l'heure dès que j'ai rempli mon sac. On va essayer de pas perdre trop de temps à la récolte là. Ce serait mieux. On va faire ça rapidement. Et ensuite, une fois qu'on aura tout rempli, mode séchage et on se casse le plus rapidement possible. Et ça va être la grande classe. Moi je vous le dis, ça va le faire. Et pourquoi il s'est barré l'autre? On aurait pu rigoler deux minutes là. Juste pas qu'il parte quelque part et qu'il revienne à pied pour nous mettre, ce serait un peu de dommage ça. Il se dit. Ouais, mais bon, il sait même pas combien on est. Allez, ça y est, il est reparti l'autre. Dans son side chat là, faut qu'ils arrêtent, bordel! Ah, c'est plein. Inventaire. Non, faux. Pas inventaire. Là. Cannabis. Hop. Déposé. On peut en porter un de plus maintenant aussi de cannabis. Et avant, on pouvait en prendre que 16 et maintenant je peux en prendre. Que 15 et maintenant je peux en prendre 16. C'est vrai. Hold on. Statistiques. Voilà. Vous avez les niveaux juste là. Donc je suis cueillette. Oh, c'est mignon. Niveau 3. Mineur bûcheron et récolte illégale niveau 1, bien entendu c'est de la récolte illégale que nous faisons, donc ce serait bien que je passe niveau 2 assez rapidement, histoire que je puisse récupérer plus de canards en même temps. Et ça le ferait. La cueillette en fait c'est la pêche qui m'a fait, voilà, quand j'ai commencé le jeu, ben, je faisais de la pêche, je récoltais des pêches et j'allais les revendre, ce qui rapporte quasiment que dalle. On est d'accord, vu qu'il est en reconnaissance, si jamais il se fait arrêter par les plis, comment... Ouais, ok. De toute façon pour mettre quelqu'un, c'est pas vraiment...
Et ce qu'il y a de bien également, c'est que comme le serveur vient de redémarrer, ben, la cannabis est à 12 000 balles la pièce. Voilà. Donc ça, c'est une excellente chose. Et comme on est les premiers sur le secteur, puisque ben, voilà, on est là, on est dispo, on est présent, on est en train de récolter, eh bien, ce sera nous les premiers qui allons la vendre techniquement. Donc, on va se faire max de fric. Mais moi, j'ai un petit peu d'avance sur toi parce que j'avais déjà fait ça avant. Enfin, j'avais déjà fait du cannabis alors du coup. Et ce serait bien qu'il y ait un petit 2 là qui se pointe au milieu de l'écran. Allez, un petit effort, merde. Un petit effort, s'il te plaît. Non, tu veux pas ? Bon, très bien. Bah écoute, tu vas te faire fiche alors à ce moment-là. Hein. Voilà, y a pas de feinte. Hein ? Bon. Et je vais pas pouvoir mettre grand-chose dans mon camion, je vais remplir les leurres une fois que j'ai terminé. Ça va le faire. Et d'ailleurs, accessoirement, il faudra que je regarde sur la carte à ce moment-là où il y a un ATM et où je peux utiliser ma licence de... Enfin, ouais, où je peux récupérer de l'argent pour justement cette licence et de canne. En fait. Ouais. Tu vois la douane sur la carte? Ouais. Tu vois la petite route qui est juste en dessous de la douane, une petite route bizarre là, grise, on la voit un peu. Et juste un petit peu en dessous, tu arrives à la ouais, petite je vois, ouais. Mets un point juste en dessous de la douane, pile sur la route. C'est là qu'il est le passage secret. Ok. Et c'est moi qui passera devant là ou quoi? Ouais, c'est toi qui passe devant. Mais là, tu coupes à travers la montagne, genre tu vas voir où t'as mis le point? Ouais, j'ai mis le point, ouais. T'as vu où il est? Direct comme ça, à 3 km. Ouais. Je coupe tout là? Je passe à travers tout bordel. Pareil pour nous, on va faire la même chose. Ça marche. Bon, toi que tu regardes de temps à autre derrière, voir si tu me traces pas trop. Ouais, bah vous me dites, hein, si jamais je prends trop d'avance, n'hésitez pas à me dire arrête-toi ou ralentis ou pas de soucis. Hein. Parce que je vais surtout swiper ce qu'il y a devant nous pour voir s'il n'y a pas des gars qui nous attendent ou j'en sais rien. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, pour faire du face check. Hein. C'est fantastique. 350 à peu près, je suis en cargaison. Oh, c'est tellement illégal ce qu'on fait. Oh, je suis passé niveau 2, yes. Comment tu le sais, c'est marqué? Ouais, je peux récupérer 2 de cana maintenant, donc... Et oui, c'est marqué si jamais tu vas sur Y et statistiques, c'est t'as les niveaux, si jamais. Ouais, ouais, ça je sais, mais je pensais que toi ça le marquait, moi ça le marquait pas, j'ai été un peu deck. Favoritisme et tout, j'aime pas trop ça. Non, non, t'inquiète. 445 dans mon camion. Yes, je suis passé niveau 2, c'est la classe. Ouais, ouais, ouais. Hop. Nickel, on est à la moitié quoi, c'est ridicule. On va se faire une thune, mais on va se faire une thune. Oh my, complètement fantastique, juste complètement énorme. 2 de cana maintenant, oui c'est magnifique. Continue, monte dans l'illégalité, c'est top, c'est parfait. Comme ça après, quand tu récupères 9 de cana d'un coup, t'es content. Ok. Je suis full dans mon camion. T'es super content. Petite place. On est vraiment peinard là. Alors je peux pas ouvrir la carte puisque j'ai activé ma macro, mais je me demande combien il y a de joueurs sur le serveur et si c'est... Ouais bon, bah, pour mon avis... Et toi ton camion il en est où, Jules? Ah, il en est plus loin que toi, il en est 300. Ouais, ah bah je remplis le tien alors. Parce que oui, ce serveur est toujours plein. Ouais. Oh monsieur. Ouais. Nico? Ouais, ou Nico, comme tu veux. Tac tac. Vous êtes assez pour où je peux vous rejoindre? Bah nous on a déjà fini en fait de cargaison en fait là. Enfin de récupérer. Vous allez vendre là? Bientôt. Mais non, on va traiter plutôt, pardon. Vous allez traiter, ok, ça marche. Je prends un hélico et... C'est à la frontière? Si tu veux. Ouais, carrément. Ça peut être cool. Ça peut être carrément sympa même, parce que ici il y a des flics... Du coup, on gagnera 900 000 chacun.
Ça va, 900 000 chacun. Tranquille. Tout va bien. Ah, parfait. Là, ça fait du bif qui rentre. Très intéressant. Surtout, tu prends ton temps, mon canard, y a pas de problème. Je suis 10 places dans le deuxième. Ouais, pardon. Ça va là, laisse-moi une petite seconde, bordel. Mon territoire de gang a été récupéré par la police. Ah merde, ils sont à l'aérodrome. À l'aéroport, pardon. Hop. C'est plein. Il est plein? Ouais. Là, je t'en donne, je ramasse plus vite. Oh, t'inquiète, je peux ramasser par deux aussi maintenant. Non, moi j'en ai pas trois. Ah, balance. Ah oh, bah super. Plein. Ça c'est fait. Ouais mais ça sert à rien que t'en aies sur toi, parce que si jamais tu te fais contrôler par les flics et que t'en as sur toi... Ouais c'est pas faux. Tu balances par terre. On va essayer de me donner avant que tu sois plein. Je vais toucher une dose. Bah, comment ça cool. Marche pour te donner quelque chose d'ailleurs? Ouais, je suis cool. Ah, ok. Et tu fais Y, tu cliques sur l'objet actuel, ça y est marqué. Ah oui, supprimer. Tu mets le ouais. Nombre que tu veux filer et après tu fais U. Enfin, tu sais, c'est un peu comme l'argent en fait. Ok, je suis full. Voilà, on est parti. Faut pas que t'en aies un seul sur toi, hein, ça. En fait, t'en gardes un au pire et tu le donnes au flic dès que dès qu'il t'accoste. Non, c'est, mais j'ai tout viré du coup, j'ai vidé mon inventaire. Vas-y, break. Non, dans l'autre sens. Ah oui, merci, c'est dans l'autre sens. Les grillages, c'est... il a pas peur non plus il fait... Non, il a peur de rien. Ah, il est bien cette caisse. Ouais, bah pareil pour le Tempest en plus. C'est génial ce truc! Il m'en faut une à la maison, bordel! C'est quoi, c'est non, le Tempest. C'est exactement ce qu'il me faut pour chez moi. Lui, il conduit l'électrique. Ouais. Quelle arme, ça, j'en ai. Je suis occupé. Ouais, téléphone. On guerre. Ma poche vibre depuis avant, bordel. 120 km/h. Vous arrivez à suivre derrière? Je te vois plus. Hein. On fait double virgule et on verra où t'es. Ouais, je te vois. Je vois pas. Pourquoi je vois pas ton point? Tu l'as invité dans le groupe ouais, putain, ouais, non, il a pas. Ouais, faut que tu quittes ton gang, Yasso. Ah oui, pardon. Et Y, mon gang. Ok, c'est bon. Je t'invite dedans. Et... C'est bon alors. T'es où toi du coup? Je suis à la zone du donateur. Tu vois ça? T'es où la zone du donateur? C'est une zone à côté de Sofia. À côté de Sofia. Enfin c'est à... Ouais c'est à 3-4 bornes de Sofia sur la gauche. Je sais pas où c'est Sofia, c'est tout en haut là c'est ça? Tout en haut, ouais c'est tout en haut. Ah oui d'accord c'est la zone ouverte, jeune. Attends-nous à ça, hein. On est loin là. T'as réussi à l'inviter le jeu en fait? Ah ouais c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est... Bah Nico t'as un gang ou pas? Ouais j'ai un gang avec Ah d'accord. Avec C'est pour. Bon. On va parler bien. Et on va laisser un peu de fight là. Allons-y. Rentre dans le feu. Exactement. Et toi? Tu me regardes pas comme ça. Oh, cette arme, elle est monstrueuse.